Ben alors, bienvenue tout le monde. Du coup, je vais vous parler d'autoproduction audiovisuelle et de logiciels libres, comme indiqué dans le titre. Du coup, l'idée, c'est à la fois de vous parler un peu du processus de production audiovisuelle en général, en particulier les aspects un peu techniques, parce que voilà, moi, je m'intéresse quand même pas mal à la technique. Aussi donner un peu une idée de quel effort ça représente de produire de l'audiovisuel. Donc essentiellement des vidéos où on filme des gens qui jouent. Parce qu'audiovisuel, c'est assez large, ça peut être aussi l'animation, ce genre de choses. Là, c'est pas de ça dont je vais parler, c'est vraiment des scènes filmées avec une caméra et avec des gens qui jouent devant. Aujourd'hui, on est à une époque où, en particulier genre sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui existe. Et du coup, on a un peu tendance à penser que c'est assez simple. Et en fait, bon, ça représente quand même pas mal de travail. Du coup, ce que je voulais, c'était vous présenter un projet que j'ai réalisé le mois dernier, comme ça, un petit peu, bon, c'est un petit peu un test, hein, il n'y a pas une grande ambition derrière. Mais pour un petit peu, du coup, ouais, démystifier le processus de production, on va dire, et en même temps, du coup, vous présenter comment moi je travaille, quels outils j'utilise, et comment, du coup, j'ai pu réaliser ma petite vidéo. Aussi donner des recommandations et des ressources, donc en particulier sur tout ce qui va être musique ou tutoriel pour apprendre, voilà un peu des points d'entrée sur le sujet, et du coup peut-être vous encourager vous si ça vous intéresse à faire de même, à produire de la vidéo si c'est ce qui vous intéresse. Du coup qui je suis, donc Albert Danac, c'est pas mon nom à l'état civil, hein, c'est un personnage. J'aime bien l'idée que quand on se met en scène et quand on produit des choses, comment dire, on est plus vraiment soi-même. En fait, on est une version de soi-même où on a une conscience de l'image qu'on renvoie et en fait, enfin voilà, c'est une construction, c'est une mise en scène. Donc j'aime bien l'idée d'avoir un nom un peu à part, un personnage. Du coup, est-ce que je suis une grande vedette? Bah, pas du tout, puisque j'ai une chaîne YouTube avec 26 abonnés, donc c'est assez ridicule. Mais bien sûr, il appartient qu'à vous de faire de moi une grande vedette, hein, évidemment. Et du coup, d'où est-ce que je viens? Donc, moi, j'ai grandi en m'intéressant pas mal à la culture libre, notamment les courts-métrages d'animation de la Fondation Blender, si ça vous parle. Voilà, sous licence libre, c'est un truc que j'ai toujours été très impressionné par la possibilité de faire ça. Et c'est vrai que enfin, il n'y en a pas tant que ça, en fait, de la production culturelle audiovisuelle sous licence libre. Donc, c'est un truc qui m'intéresse et auquel j'ai envie de contribuer. Du coup, moi, je viens plutôt du monde du logiciel libre. Du coup, je suis voilà, développeur, ingénieur, tout ça. Et donc, mon bagage, il est surtout technique, plus qu'artistique, on va dire. Et en fait, j'ai déjà eu l'occasion de pas mal travailler sur des sujets autour du multimédia, tout ce qui va être graphique, donc avec des pixels, des GPU, tout ça. Du coup, c'est des sujets que je connais bien, on va dire, sur le plan technique. Et du coup, le côté audiovisuel, c'est assez récent, en fait, c'est avec le Covid, le confinement, tout ça, où je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des vidéos, après tout, et du coup, en utilisant des logiciels libres. Donc mon ambition, c'est essentiellement des formats courts, donc un peu des sketchs, des petites fictions, mais bon voilà, je suis pas du tout encore dans l'optique de faire des vrais courts-métrages avec un vrai propos, une vraie ambition. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez récent, du coup je viens vous en parler, mais j'ai pas non plus une grosse expérience dans le domaine. J'ai quand même fait quelques vidéos, donc plutôt un peu des sketchs que j'ai mis sur ma chaîne YouTube en l'occurrence, qui s'appelle Albert Dranac aussi. Une vidéo malheureuse que j'ai fait l'an dernier et qui est vraiment qui marche pas, quoi, qui est nulle et que du coup j'ai pas sorti. Enfin voilà, j'ai passé peut-être un mois à travailler dessus et à la fin je me suis dit non, vraiment, c'est beaucoup trop nul. Et du coup, voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Du coup, pour resituer, voilà, donc je suis essentiellement. Un type qui fait des vidéos seul chez lui le dimanche. Voilà, donc je ne suis pas professionnel du milieu. Du coup, le processus, donc comment on fait pour faire de l'audiovisuel? Donc, bah, au début, la toute première étape, c'est l'écriture. Donc, il faut avoir une idée, hein, quand même. Donc, un thème qu'on veut aborder, un propos qu'on veut défendre, voilà, quelque chose qu'on veut mettre en scène, mettre en avant. Du coup, assez rapidement, on en vient à trouver des. Ouais, merci pour la porte. On en vient à donc voilà, imaginer des personnages qu'on va pouvoir mettre en scène pour raconter ça. Et puis donc ça c'est vraiment le premier jet qu'on a, hein, vraiment l'idée très
grossière, on va dire, et puis après, on va la dégrossir au fur et à mesure. Donc, on va définir une situation initiale de laquelle nos personnages partent. Du coup, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent aller, comment ils vont y aller. Donc, les objectifs, la trajectoire, quels obstacles ils vont rencontrer pour emprunter le chemin qui les intéresse. Avec évidemment des points de rupture où, pour que le récit vive, il faut qu'à un moment, il y ait des événements qui se passent, qui changent des choses à cette trajectoire. Donc, des ruptures, des évolutions. Et puis, à la fin, on arrive à une résolution où le personnage est arrivé ou pas à son objectif, pas forcément de la manière dont il pensait. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va ajouter au fur et à mesure après l'écriture. Et du coup, on va aussi pouvoir donner de l'épaisseur aux personnages, donc rajouter un peu des petits détails pour leur donner plus de consistance, les rendre plus réels, des éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre leur psychologie, comment ils fonctionnent et pourquoi en fait ils font les choix qu'ils font dans le récit. Donc tout ça, c'est des choses à réfléchir en amont. Une fois que ça s'est établi, on va pouvoir vraiment rentrer plus dans l'aspect découpage audiovisuel, donc avec les séquences. Donc une séquence, c'est vraiment une unité de temps et de lieu. Donc c'est une suite de plans qui se passent au même endroit, au même temps. Et un court-métrage ou un film, ça va être une suite de séquences mises bout à bout, donc avec des ellipses entre les séquences ou des lieux, des personnages différents. Et puis l'assemblage du tout va faire l'histoire. Et donc, une fois qu'on a un peu défini tout ça, on va pouvoir finalement écrire le scénario. Et donc, le scénario, c'est vraiment, on met sur papier, dans le texte, tous ces éléments-là, bien dans l'ordre. Donc, on décrit les actions, on décrit des dialogues, et on va aussi rajouter des intentions de jeu, donc qui sont en fait des idées qu'on a de mise en scène au moment de l'écriture. Une fois qu'on a ça, on va du coup pouvoir s'intéresser un peu à la préparation un peu plus matérielle du tournage en général et de la production. Donc on s'intéresse aux lieux qu'on va utiliser pour tourner, comment on va les décorer, parce qu'il ne s'agit pas juste de filmer un lieu. En général, on va rajouter de la décoration pour que ça colle à une ambition artistique. Bonjour. On va s'intéresser aux costumes. Donc comment les personnages sont habillés, ça peut être... Ça peut avoir de la signification vis-à-vis de l'histoire. Figuration, il faut s'intéresser aussi à... quand on filme quelque chose, il ne faut pas que ce soit complètement vide, donc il faut qu'il y ait aussi des gens autour. Des accessoires, s'il y a besoin pour l'histoire. Donc ça, c'est les aspects mise en scène. Après, on a tout ce qui va être plus... découpage des plans, donc c'est un découpage plus technique de vraiment quel plan on va tourner pour chaque séquence. Donc pour ça, on peut faire un storyboard pour s'aider. Donc on va dessiner en fait les différents plans qu'on souhaite réaliser. Donc évidemment, ça c'est des choix donc technico-artistiques. Hein. Les plans qu'on fait, c'est pas du tout anodin hein, dans la production. Est-ce qu'on fait un plan large? Est-ce qu'on fait un plan serré sur le personnage? Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi on fait ça? Comment on va cadrer? Donc toutes ces choses-là, c'est des choses évidemment qu'on pense en amont. Hein. C'est pas sur le tournage où on va se dire tiens comment je pourrais cadrer mon truc. Enfin, il y a des gens qui font ça, mais globalement, on essaie quand même plutôt de le préparer. Ça, c'est l'aspect un petit peu technico-artistique. Et après, il y a le côté plus matériel où, il faut préparer le matériel dont on va avoir besoin, la machinerie, donc tout ce qui est... je reviendrai dessus. Toute la logistique de transport, si on tourne à des endroits, il faut prévoir de quoi transporter tout ce dont on a besoin. Il faut prévoir une date de tournage donc pour que tout le monde soit là au moment donné. Et ce qui concerne le jeu d'acteur, on va, une fois qu'on a trouvé des comédiens pour jouer notre production, on va d'abord faire une lecture. Donc tout le monde s'assoit autour d'une table et on lit le texte. On voit comment ça donne, ne serait-ce qu'au niveau de l'intonation, comment on veut le jouer. Et après, on va essayer de faire des répétitions, un peu plus mise en scène, où on n'est pas juste assis, mais on va vraiment jouer les scènes, si possible dans le décor, mais sinon non. Du coup, ça demande pas mal de gens. Donc, une équipe, pour faire une vraie grosse production, on a plusieurs équipes avec des rôles artistiques, techniques, gestion. Ça peut être des gens différents ou pas. Hein. Selon la taille de la production, mais en tout cas, il y a tous ces métiers-là, on va dire, qui sont nécessaires pour produire.
Du coup, en pratique, donc ça, là, j'étais sur la partie pré-production. Maintenant, sur la partie production véritablement, donc le jour J du tournage, comment ça se passe. Premier truc qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une feuille de service. Donc, c'est un document qu'on va envoyer à tous les gens concernés par le projet où on leur dit tel jour, on sera à tel lieu, on va tourner ça, on aura besoin de tel accessoire. Du coup, il faut prévoir donc, à nouveau la logistique, le transport du matériel et que tout le monde soit là à leur donner et que tout soit prêt, qu'il ne manque pas. Un pied, un micro, un truc, voilà, que tout soit carré et qu'on soit sûr d'avoir tout ce qu'il nous faut. Une fois que tout le monde est arrivé, on va mettre en place. Donc, une des premières choses à faire quand on tourne quelque part, c'est déterminer le champ. Donc, le champ, en fait, c'est ce qui va apparaître à l'écran. Il faut que ça soit vraiment clair telle zone, c'est là où on va filmer. Et du coup, on sait qu'on ne va pas mettre des caisses de matériel, des pieds, des trucs à cet endroit-là, quoi. C'est vraiment l'endroit qu'on souhaite avoir dans le viseur, quoi, dans le champ. Et donc, c'est vraiment un des premiers trucs à définir. Et ensuite, on va préparer le décor, donc faire toute la déco qu'on veut mettre, les accessoires qu'on va disposer. Et puis ensuite, on va pouvoir préparer donc, les comédiens, les comédiennes. Donc avec ce qu'on appelle habillage, maquillage, coiffure, donc ce qu'il faut pour que les gens soient, beaux à l'écran ou en tout cas préparés comme il faut. Ça peut être plus ou moins de travail selon l'ambition. Hein. Enfin, en général, on fait toujours un minimum de maquillage quand même. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément de notion, mais les gens qu'on voit, que ce soit à la télé ou dans des courts-métrages ou au cinéma, les gens sont toujours maquillés, en fait, parce qu'une peau pas maquillée, ça se voit vraiment. Et en fait, on a l'habitude d'avoir des couleurs bien lisses, bien belles sur les peaux. Et voilà, donc c'est vraiment le truc de base, c'est un peu de fond de teint. Et voilà, enfin, il y a toujours au moins ça. Et évidemment, on met en place tout le matériel technique. Donc le matériel, qu'est-ce que c'est ? Donc là, vraiment pour rentrer un peu plus dans la partie technique, donc évidemment, il faut une caméra. Une caméra, c'est quoi ? Donc il y a plusieurs parties, on va dire, dans une caméra. La première, c'est le capteur, qui a plein de caractéristiques différentes. Première chose, c'est le format. Donc ça, c'est vraiment la taille physique du capteur lui-même qui va en fait avoir un impact sur l'image. Plus le capteur est gros, en fait, et plus on va, capter une grande largeur de... Enfin, voilà, on va pouvoir avoir un grand angle. Évidemment, c'est rapport à l'objectif, j'en parlerai juste après. Les dimensions d'enregistrement, donc est-ce qu'on tourne en Full HD, donc en 1080p, ou est-ce qu'on veut avoir des dimensions plus élevées, 4K, 6K, 8K. Le standard pour la production un peu sérieuse, professionnelle, c'est 4K. 6K et 8K, donc ça va être utilisé plus pour avoir de la latitude en post-production. Typiquement, si on veut pouvoir rajouter du mouvement dans l'image, si on veut pouvoir faire un zoom, ce genre de choses, on va utiliser donc des dimensions plus élevées. Et en fait, à la fin, on aura un truc généralement en 4K, quoi. Voilà. L'échantillonnage, c'est sur combien de bits on va récupérer nos couleurs. Donc, en général, on est plutôt autour de 12. 8, c'est vraiment sur les caméras, on va dire, grand public, pas très sérieuses, mais sur des productions un peu plus ambitieuses, on est plutôt à 12, 14 ou 16 bits par couleur. Donc là aussi, c'est pour avoir de la latitude à nouveau en post-production, même si à la fin, si on publie sur YouTube, bah, on sera sur des formats en 8 bits. Mais le fait, en fait d'avoir capturé avec un échantillonnage plus élevé, ça nous permettra après en post-production d'avoir plus de données, en fait, et donc d'être plus capable de gérer les couleurs comme on veut. Nombre d'images par seconde. Donc la dynamique, c'est l'écart entre la luminance la plus faible et la plus élevée qu'on peut capturer. Donc ça, c'est un truc très important pour avoir de belles images, c'est-à-dire d'être à la fois capable de saisir des détails dans les tons sombres et dans les lumières un peu élevées. Évidemment, il y a toujours des limites à ça, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, si je filme ici, le mur est extrêmement sombre par rapport à l'extérieur qui est éclairé par le soleil, quoi. Donc on ne pourra pas forcément avoir les deux en même temps, et c'est un peu l'enjeu du capteur que d'avoir la dynamique la plus élevée pour être capable justement d'avoir à la fois les deux en même temps. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique à nouveau de la caméra. Du coup, on va choisir sa caméra en fonction de l'ambition qu'on a vis-à-vis de ça. Et l'autre aspect, c'est du coup l'enregistrement. Donc là, c'est vraiment une fois qu'on reçoit les données, comment on les stocke. Donc il y a tout un tas de codecs qui existent, qui sont utilisés.
Deux grands types essentiellement. Donc le premier, c'est le RAW, qui consiste en fait à enregistrer les données brutes de la caméra, qu'on va pouvoir compresser plus ou moins, mais qui sont quand même les données brutes de la caméra, donc avec très peu de pertes. Et au contraire, on va avoir des formats qu'on appelle compressés, comme ProRes, DNxHD ou H.264, où là, en fait, on va du coup perdre des informations par rapport à ce que le capteur a récupéré pour limiter en fait la taille qu'on prend pour stocker les données. Tourner en RAW en 4K, ça fait vite des débits binaires très très élevés. On peut être pas loin du gigabit par seconde ou ce genre de choses. Donc c'est, voilà, il faut après derrière du stockage très conséquent et aussi de la capacité à transférer les données très rapidement, donc des bandes passantes très élevées. Voilà. C'est pour la partie enregistrement. Pour la partie plus objectif, donc ce qu'on appelle la monture. La monture, c'est vraiment le raccord physique entre la caméra et l'objectif. Il y en a plusieurs qui existent. Au cinéma, par exemple, on utilise la monture PL, qui est assez courante. Sur les appareils photo plus Canon, on va avoir du EF. Voilà. Le F, c'est plus sur les Sony. B4, ça va être pour les caméras de broadcast, par exemple. Donc probablement celle-là, c'est une monture B4. Monture C, c'est plus pour ce qui est caméra de surveillance ou petits objectifs. En fait, la monture a un lien avec la taille du capteur, parce que en fait, si on a un gros capteur, du coup, il faut que l'objectif soit suffisamment gros pour pouvoir couvrir en fait l'entièreté du champ du capteur. Sinon, on a un effet qu'on appelle le vignettage, où en fait, on a de l'ombre en fait sur les bords du capteur, parce que l'objectif n'est pas capable de créer une image suffisamment grande sur le capteur. Donc, il y a vraiment en général, un rapport entre la monture et le format. Du coup, l'objectif lui-même, donc c'est vraiment la partie optique qui permet de former l'image sur le capteur. Il y en a plusieurs types, des montures fixes ou des zooms. Donc, c'est rapport à la distance focale. Donc, la distance focale, c'est ce qui conditionne la largeur de l'angle en fait, qu'on va avoir pour récupérer de la lumière. Alors parfois on dit qu'une courte focale ça écrase les perspectives, une grande focale ça les... le contraire, pardon, oui. Voilà, une courte focale ça détend les perspectives, on va dire, et une grosse focale ça les compresse. En fait ça c'est pas vrai du tout, une focale c'est vraiment juste la taille du champ de ce qu'on voit, et ce qui fait vraiment cet effet sur les perspectives c'est la distance au sujet en fait. Donc si on est près de quelqu'un, effectivement, mais ça marche avec l'œil aussi, hein. Si vous êtes très près de quelqu'un, vous allez voir que la géométrie va être très, très éclatée, et si au contraire vous êtes loin, ce que vous allez voir, ça va être très compressé. Voilà, ça c'est la focale. L'ouverture, c'est en fait donc, sur votre objectif, la taille par laquelle les faisceaux lumineux vont passer. Plus c'est ouvert, en gros, et plus vous avez de directions différentes des rayons lumineux qui vont en fait créer du flou au-delà de votre zone de netteté. Donc ça peut être un effet artistique aussi. Bon, je passe sur le reste. Pour ce qui est accessoire, du coup, donc une caméra, ça peut vachement s'accessoiriser. Il y a tout un tas de trucs qu'on peut rajouter, donc des filtres à l'avant, devant l'objectif, qui peut avoir tout un tas de fonctionnalités. Ça peut être... bon, enfin, moi, je ne vais pas rentrer parce que sinon, pas fini. Tout un tas de choses. Plus intéressant, le timecode. Donc ça, c'est ce qui permet en fait de synchroniser la prise son et la prise vidéo, où du coup, on va en fait enregistrer en même temps que les images c'est quasiment juste un nombre en fait un peu aléatoire, mais qui s'incrémente avec chaque image. Et l'idée, c'est que si on synchronise comme ça la prise son et la prise vidéo, en fait, on a le même timecode au même moment, et du coup, en fait, au moment du montage, c'est vachement plus simple parce qu'on peut réaligner les pistes automatiquement. Voilà. On va aussi pouvoir ajouter un émetteur RF. Donc ça, c'est ce qui permet d'avoir des retours vidéo ailleurs sur le tournage, hein, donc essentiellement pour le réalisateur, la personne qui gère l'image. C'est vraiment pour envoyer depuis la caméra les données vidéo en RF, quoi. Voilà, donc ça c'est une caméra professionnelle, voilà à quoi ça ressemble. C'est donc ça, c'est une photo que j'ai prise sur un tournage à Paris cet été. Donc le RF, c'est ce truc-là, hein, on voit les petites antennes qui envoient des choses. Voilà, l'objectif est là, le corps caméra est là. Ça c'est donc la matte box avec les filtres à l'avant. Ce truc-là, c'est un peu particulier, c'est un capteur à ultrasons qui permet en fait de déterminer la distance au sujet et qui va en fait aider la personne qui fait le focus à correctement choisir comment elle fait le focus. Donc le focus est à nouveau sur l'objectif, hein, c'est une lentille qu'on va déplacer pour choisir où est-ce qu'on souhaite qu'on ait de la netteté.
Ça va se faire à distance, souvent, avec ce qu'on appelle un follow focus. Donc, c'est une petite, un petit boîtier qu'on va rajouter qui va permettre de commander, en fait, avec un servomoteur, l'objectif pour faire varier ça à distance, quoi. Voilà, je passe sur l'audio. Ouais, ça va, je suis encore dans les temps. Donc, sur l'audio, là aussi, on a besoin donc, de faire la capture de l'audio. Donc, plusieurs éléments pour ça. L'enregistreur, donc, qui est vraiment le bloc qui va récupérer des données, on va dire, analogiques d'un microphone et qui va les stocker sur, voilà, sur un stockage. Donc, le paramètre principal de l'enregistreur, c'est la fréquence d'échantillonnage. Donc, c'est combien de fois par seconde est-ce qu'on va récupérer des points du signal analogique pour les stocker dans un fichier. En général, on est au moins à 48 kHz, donc 48 000 fois par seconde, on va aller prendre un point du signal audio. On peut monter beaucoup plus, 96, 192, c'est des choses qui existent. Après, pour de la diffusion, on va dire, sur le web ou quoi, on est rarement... Est-ce que déjà, la différence est audible ? Ouais, voilà, alors ça, c'est des grandes questions, ça dépend pour qui. Hein. Quand on est jeune, on entend mieux dans les aigus. Avec le temps, la sensibilité aux aigus est diminue. Donc voilà, après, c'est des choses qu'on peut faire. Après, est-ce que c'est utile de monter jusqu'à 192 ? Bon, probablement pas. Il y a des gens qui vont entendre la différence peut-être entre 48 et 96, mais bon, c'est... Voilà, après, c'est plus du jusqu'au boutisme, on va dire, parce qu'on peut le faire et que... voilà. Mais oui, effectivement, la différence de qualité. Alors que si vous prenez entre, je sais pas, 8 kHz et 48, là, vous allez tout à fait entendre la différence. Vous verrez qu'il n'y a pas d'aigu et que l'audio sera complètement moche. Voilà. Du coup, on va l'enregistrer donc dans un fichier. Essentiellement, pour l'audio, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas trop de questions de codec et de compression. On va juste enregistrer tel quel le signal dans un format genre WAV. Donc le WAV, c'est très simple. Hein. C'est juste, on met bout à bout les échantillons qu'on récupère. Un qui s'appelle BWF, qui est en fait une extension du WAV qui est utilisée dans l'audiovisuel, qui permet de rajouter justement les timecodes dont je parlais. Donc les moments... les nombres qui permettent d'identifier en fait une image en particulier. Voilà. Donc avec les boîtiers qu'on va aller coller sur l'enregistreur et sur la caméra, on aura les deux qui seront synchronisés et donc on aura les mêmes timecodes pour le même moment d'enregistrement. Donc après, bien sûr, on va connecter un microphone à l'enregistreur. Donc un microphone, ça se caractérise par une réponse en fréquence. Donc il y a des microphones qui sont plus sensibles dans certaines fréquences, plus sensibles dans d'autres, qui ont un spectre plus ou moins large, là aussi. En général, capturer les graves, c'est assez simple. Capturer les aigus, c'est plus compliqué. Donc un bon microphone, typiquement, ça va être un microphone qui est capable de bien monter en fréquence et surtout qui va avoir une courbe de restitution assez plate. Donc c'est-à-dire qu'il va... donner en fait la même intensité du signal pour des aigus que pour des graves, pour une intensité de données du signal de base de la source. Donc c'est un peu ça qui caractérise un microphone. On a aussi une question de sensibilité, donc quel signal électrique est restitué pour quel volume sonore. On a des microphones peu sensibles, où du coup on aura des petites valeurs qu'il faudra beaucoup amplifier. On a des microphones plus sensibles, on aura des grandes valeurs, et du coup on a moins besoin de les amplifier. Une notion de directivité qui est assez importante, en particulier dans l'audiovisuel, c'est en fait quel est le champ, enfin l'angle dans lequel le microphone est sensible. Donc en général, on essaie d'avoir un champ assez restreint. Donc c'est pour ça qu'on a des microphones qu'on appelle hypercardioïdes. Ça consiste en fait à vraiment avoir un angle très restreint devant le microphone pour pas capturer ce qui est derrière ou ce qui est sur les côtés. Donc typiquement après, quand on va venir percher pour prendre le son, on va vraiment pointer le microphone devant la bouche de la personne et en fait tout ce qui se passe à côté ou au-dessus, on va pas le capturer, on va pas l'entendre et évidemment c'est ce qu'on souhaite puisque si on enregistre par exemple un dialogue en extérieur et qu'il y a un oiseau qui passe au-dessus, on n'a pas envie d'enregistrer le bruit de l'oiseau, on a surtout envie d'enregistrer le bruit du dialogue, donc c'est un rapport au bruit parasite essentiellement. Voilà, donc tout ça à prendre en compte quand on choisit un microphone. On va pouvoir mettre des accessoires aussi sur le microphone. La première chose importante, c'est la perche ou le pied. Donc on ne va pas tenir le microphone à la main comme ça, évidemment. Hein. Donc on va avoir une perche pour passer en fait, par-dessus le champ de la caméra et pour enregistrer ce que disent les gens, les acteurs, les actrices. Et on va rajouter un stabilisateur au bout de la perche parce que quand on tient la perche, on va la bouger, faire des...
des petits chocs, des petits mouvements, et on n'a surtout pas envie que le microphone transmette ça. Donc en fait, on va l'accrocher avec voilà, ce qu'on appelle un stabilisateur ou un shock mount. C'est un truc qui ne coûte pas très cher. En gros, on va accrocher le microphone avec des élastiques au milieu d'une cage. Et comme ça, on va en fait découpler les mouvements mécaniques de la perche et le mouvement mécanique sur le microphone. Et donc ça nous permet d'éviter à nouveau les petits bruits parasites qu'on fait avec la perche. Si on enregistre plus, disons, en studio, on va pouvoir utiliser un filtre anti-pop. Donc ça, c'est juste une membrane en nylon qu'on va placer devant le microphone pour éviter en fait que quand on parle, on ait des projections de l'air trop rapide qui viennent taper le microphone et qui le fasse saturer. Donc ça fait des effets de peu comme ça qui sont très désagréables. Du coup, on va pouvoir mettre ça. Quand on perche, en fait, on est par-dessus. Donc en fait, les petits crachats ou les petits trucs qui peuvent arriver, ils vont pas directement taper le microphone. Donc on n'a pas besoin d'anti-pop. Mais par contre, quand on a vraiment un enregistrement plus en studio, là, on va faire ça. Dernier élément important, c'est les bonnettes. Donc c'est ce qu'on va rajouter vraiment sur le microphone lui-même pour pouvoir enregistrer. En particulier, quand on tourne en extérieur, on a des bonnettes, ce qu'on appelle en peau de lapin, qui sont pas vraiment, enfin en poil de lapin, qui sont pas vraiment en poil de lapin, mais l'idée c'est qu'on a des trucs très touffus en fait, qui vont permettre d'annuler en fait l'effet du vent. Alors c'est un peu mystérieux la manière dont ça marche, mais ça marche assez bien. Et du coup, ça permet d'éviter voilà quand il y a du flux d'air à cause du vent quand on est en extérieur, que ça s'entende sur la prise et qu'on ait vraiment juste les voix des personnages. Donc c'est pour ça que quand on voit des microphones, des fois on a des gros trucs au bout, ouais, voilà ce genre de choses, hein, voilà c'est ce truc-là. Mais donc ça c'est un relativement petit, on va dire. Il y en a des très gros, voilà selon la force du vent et ces trucs-là. Pour illustrer, donc ça c'est une sacoche d'enregistrement audio. Donc l'enregistreur c'est cette partie-là. Voilà, donc on a des potards de volume, on a un casque pour avoir un retour, tout ça. Et du coup, quand on est... alors la photo est très mauvaise, je suis désolé, mais quand on est du coup en extérieur, donc ça c'est la perche, donc on voit un peu la taille par rapport au bonhomme, hein, pour que bah, si on prend un plan un peu large, la personne ne soit pas dans le cadre. Et la bonnette donc, qui est là, on voit qu'elle est quand même assez grosse. Voilà pour la capture audio. Rapidement, la machinerie, donc ça c'est vraiment tout ce qu'on va mettre. Qui n'est pas directement lié à la capture, mais qui est voilà, un peu toute l'installation de pieds essentiellement, d'équipements qui vont nous permettre de faire tenir donc à la fois notre caméra, donc évidemment un pied pour la caméra, mais aussi de faire des mouvements. Donc on a ce qu'on appelle des dolly, par exemple, ces espèces de chariots qu'on va aller pousser, sur lesquels on va mettre la caméra. Toute une série de stabilisateurs à partir du moment où on va faire des mouvements de caméra. En fait, si juste on tient la caméra, ça va bouger beaucoup et ça va être très désagréable à l'image. Donc on veut voilà, des choses pour créer de l'inertie, adoucir le mouvement. Donc il y a des stabilisateurs à main qui vont être des contrepoids qu'on va mettre. Pour que ça bouge pas trop. Il y en a des actifs, donc le très connu c'est les Ronin par exemple de DJI, où en fait là il y a des moteurs et des accéléromètres et qui vont vraiment en fait venir compenser le mouvement qu'on fait, les petits mouvements qu'on fait avec sa main, pour que l'image reste toujours très stable. Ça marche assez bien, hein, ces trucs-là. Après il y a vraiment le gros truc, c'est la Steadicam, où là en fait on a toute une armature qu'on va aller placer sur une personne, donc le Steadicammer ou la Steadicameuse. Et qui permettent là vraiment d'avoir une très grande stabilisation et de pouvoir en fait se déplacer donc à pied avec la caméra. On a aussi des grues donc pour surélever la caméra, voilà là aussi tout un tas de choses. Pour la lumière, là aussi, je reviendrai un petit peu juste après sur la lumière, on a donc des pieds sur lesquels on va installer nos lumières, mais on peut aussi avoir des choses plus avancées comme des nacelles. Si on veut mettre de la lumière très en hauteur, on va prendre une nacelle, donc vraiment des bras hydrauliques sur des véhicules sur lesquels on va mettre notre lumière en haut et voilà. On peut aussi avoir des structures, donc des trucs en aluminium qu'on va monter, enfin voilà, des gros cadres sur lesquels on va aller fixer de la lumière. Des contrepoids qu'on appelle les gueuses, j'en parle, mais j'aime bien le mot gueuse, je trouve ça rigolo. C'est vraiment juste les contrepoids qu'on va aller placer sur les pieds pour éviter qu'ils chavirent en fait. Parce qu'une fois qu'on a monté du poids en hauteur, bah, on a vite fait en fait de les bousculer et que du coup tout tombe, ou que même par le poids naturel des projecteurs, ça les fasse tomber à un endroit. Donc on va rajouter en fait sur la base donc ces gueuses qui sont des sacs de poids en fait qui sont là pour lester les pieds.
Voilà, la lumière, du coup, il y en a plein à nouveau, hein, ça a des caractéristiques différentes. Donc la taille, est-ce que c'est une source large ou une source ponctuelle? Donc le meilleur moyen de visualiser la différence, c'est vraiment le soleil sans nuage, c'est une source ponctuelle. Donc c'est vraiment un point qui illumine, et là on va avoir des ombres très marquées sur les partout en fait. Hein. Des ombres très marquées, donc en particulier sur les visages, ça va faire ce qu'on appelle une réflexion spéculaire. Donc on a un gros point par exemple sur le front très chaud, et après ça sera un genre de dégradé lumineux. Et puis par exemple derrière le nez, si on est éclairé comme ça, on aura une ombre très nette. Donc ça en général c'est pas très joli, ou on s'en sert pour faire des effets voulus, on va dire, particuliers. Pour faire une lumière qu'on appelle plus douce, on va utiliser des sources plus larges. Donc là, ça correspond au soleil avec des nuages, où en fait, on a, au contraire d'une source ponctuelle, où les rayons sont très directifs, donc ils viennent d'une seule direction. Avec une source large, on a au contraire des rayons qui viennent de plein de directions différentes. Et du coup, on n'a pas d'ombre en fait très marquée. On a une lumière, voilà, beaucoup plus égale sur l'ensemble du sujet ou de ce qu'on veut éclairer. Donc évidemment, bon, elles ont des puissances différentes, hein, selon la puissance et aussi la technologie. Donc les énormes projecteurs qui vont balancer, enfin c'est de l'ordre du kilowatt, c'est souvent des projecteurs HMI, donc voilà, qui sont des grosses sources qui peuvent simuler le soleil ou ce genre de choses, quoi. Mais de nos jours, on utilise de plus en plus des LED, plutôt que du filament d'ailleurs. Donc la LED, c'est vraiment un peu le... C'est vraiment pas mal parce que c'est comment dire, ça consomme peu d'énergie en fait par rapport au flux lumineux que ça restitue. On va s'intéresser aussi à la température de couleur, donc ça fait référence à la température du corps noir. Donc qui est en fait, est-ce que notre lumière tend plus vers le bleu ou vers l'orangé, on va dire. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, en particulier pour régler sa caméra. Parce qu'on veut que les blancs soient blancs, même quand ils sont éclairés par une lumière chaude ou froide. Là aussi, on va pouvoir accessoiriser avec tout un tas de choses, donc des softbox ou des parapluies, par exemple, ça va permettre de transformer une source ponctuelle en source large. Bon, voilà, il y a plein d'autres choses. Un exemple ici d'éclairage à LED, hein, donc ici un éclairage indirect qu'on va balancer sur un mur pour éclairer la comédienne. Et enfin, l'électricité, donc bah, évidemment, tout ça, ça consomme de l'énergie, donc il faut l'alimenter. On peut soit utiliser le secteur, soit utiliser des batteries, ou vraiment, quand on a des gros besoins, on peut utiliser des groupes électrogènes. Après, on va distribuer tout ça avec des rallonges, des multiprises, et il faut faire attention à ne pas tirer plus de puissance que ce qui est disponible. Voilà. Ok, donc je vais peut-être accélérer un peu. Donc là, bon, normalement, avec tout ça, ça donne un peu une idée que quand même, il y a besoin de pas mal de matériel, il y a quand même pas mal de détails, pas mal de caractéristiques qu'il faut avoir en tête quand on veut donc produire son truc audiovisuel. Et une fois qu'on a tout mis en place, donc on a nos lumières, on a voilà, tous nos éléments techniques, on va pouvoir commencer la capture. Donc en général, on fait une répétition dans le décor, c'est pas mal, hein, avec les acteurs pour que on soit, voilà, tout le monde ait un peu ses marques. On va faire le cadre, donc on va placer la caméra à un endroit, cadrer, faire le focus là où ça nous intéresse. Et ensuite, on va pouvoir faire notre prise, donc silence, moteur, ça tourne. On peut faire un clap si on n'utilise pas de synchronisation directement sur l'audio et la caméra. Donc on va faire un clap qui est en fait juste un moment qui va être facile à identifier sur les prises. Pour faire la synchronisation. Et puis on va en général faire plusieurs prises. Donc en général, je sais pas, au minimum 3-4 prises. On peut aller jusqu'à des dizaines de prises. Voilà. Ça va être le réalisateur qui va dire bah voilà, là le jeu il me plaît, là il me plaît pas. Enfin, il y a des retours. Hein, donc c'est un processus itératif avec les comédiens et les comédiennes. On va dire ça, essaie de le jouer un peu plus comme ci, comme ça. Voilà. Plusieurs prises à chaque fois, et à la fin on peut aussi prendre un son seul, donc faire des bruits d'ambiance. S'il y a un bruit particulier qui a lieu dans la scène, on va l'isoler en fait pour avoir une prise son propre de ce bruit là. Voilà, et puis une fois qu'on a toutes nos prises, qu'on a fait donc toutes nos séquences, tous nos plans, tous nos décors, tout ça, et ben on récupère tout ça en post-production, et donc on va d'abord sélectionner les prises qui sont donc qu'on trouve les meilleures sur les différentes prises qu'on a pu faire. On va commencer à faire le montage, on va rajouter de la musique, on va rajouter les bruitages. Donc faut savoir que quand on perche, on a les dialogues, enfin on a ce que disent les gens, mais on va assez mal enregistrer les bruits
des interactions avec les objets, avec le décor. Et ça, en fait, ça va être systématiquement bruité. Genre dans tous les films, tous les courts-métrages que vous voyez, les bruits qu'on a d'interaction avec les objets, ils ne sont pas du tout pris sur le tournage, ils sont pris a posteriori, enfin, ils peuvent être pris sur le tournage, mais en tout cas, ils sont isolés pour qu'ils soient vraiment propres, voilà, qu'il n'y ait pas d'autres bruits qui viennent interférer. Et aussi qu'ils aient un volume sonore suffisant, parce qu'en fait, les bruits sont en général très forts dans les films, les courts-métrages. Voilà, on va faire des effets, donc les VFX, s'il y a besoin de faire des effets spéciaux, on va faire ça après. À la fin, du coup, une fois que la vidéo est prête, qu'on a mis la musique, qu'on a mis les bruitages, tout ça, on va faire le mixage, donc c'est un petit peu les différents niveaux sonores entre les différents éléments. Et enfin, l'étalonnage, donc l'étalonnage, ça correspond en fait à... on va retravailler en fait les couleurs de l'image pour qu'elle soit voilà, bah, comme on a envie qu'elle soit, donc plus ou moins contrastée, plus ou moins saturée. Avec, enfin voilà, on veut mettre en avant certaines choses, on veut que certaines couleurs soient plus visibles que d'autres et que globalement ce soit joli, quoi. Parce que les images qu'on a en sortie de la caméra peuvent être assez plates, assez, enfin voilà, sans âme, on va dire. Et puis du coup, avec l'étalonnage, on va vraiment donner une âme particulière. Une bonne manière d'illustrer ça, c'est par exemple le film Matrix, qui est étalonné plutôt vers le vert, du coup, où on a un peu tiré toutes les couleurs vers le vert. Ou si vous regardez des films de Jeunet, comme Amélie Poulain, par exemple, là, on a un étalonnage qui tire plutôt vers le jaune. Voilà. Donc c'est assez caractéristique. Et du coup, finalement, une fois qu'on a fini l'étalonnage, ça y est, on fait un rendu final et on a notre résultat avec tout dedans qu'on peut regarder. Deux mots sur l'autoproduction, du coup, en général, donc, faire tout ça, ça demande pas mal de moyens, donc on a des boîtes de production qui s'en chargent, qui ont des moyens financiers, mais du coup, quand on est artiste, on va devoir déléguer nos droits à cette boîte de production, qui souvent a une contrainte de rentabilité, donc il va devoir faire de l'argent avec ce film d'une manière ou d'une autre, et la boîte de production peut aussi avoir son mot à dire sur la volonté artistique, donc elle va typiquement donner son avis sur le scénario, dire bah non, tel truc, on va plutôt le faire comme ça, voilà. Et on a aussi des boîtes de production qui font de la commande, donc c'est-à-dire qui ont des clients qui leur demandent de faire de la commande, où en fait là, ils vont dire bah voilà, je cherche une équipe pour produire telle vidéo, et du coup, en fait, là, l'expression artistique de l'équipe va être moindre, parce que ce sera pas forcément un projet vraiment porté par le réalisateur, mais ce sera plutôt un projet voilà, de sur commande, quoi. Au contraire, quand on fait de l'autoproduction, bah, on est plus dans la débrouille, on est dans une approche plus artisanale, voilà, donc on n'a pas de gros budget en général, on se débrouille pour trouver du décor, du matériel, une équipe. On ne vise pas forcément à faire de l'argent, donc à être non lucratif, mais du coup, la liberté artistique est en général beaucoup plus développée, puisqu'en fait, on n'a pas d'enjeu financier, donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Voilà. Ok, bon, du coup, ça, c'était la partie voilà, processus audiovisuel. Du coup, maintenant, je vais vous présenter ce que moi, j'ai fait. Donc, la petite vidéo que j'ai produite. Bon, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, hein, c'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est pour vous montrer. Et ensuite, je vous présenterai du coup comment j'ai réalisé ça avec des logiciels libres. Hop, juste ici. Voilà. C'est toi qui as pris le dernier paquet de gâteaux? Ouais, alors bah, je t'avais dit que j'aurais faim en rentrant. Bah moi aussi j'ai faim en rentrant, hein. Qu'est-ce que tu crois? Mais aucun respect, quoi. Mais quel gros crevard. Oh ça va, hein. Tu veux pas prendre la tête avec ça non plus? Bah trop que si, mais t'es sérieux ou quoi? Et alors, tu vas faire quoi? Mais je vais te péter la gueule, ouais. Ouais d'accord, ok, ouais, on fait comme ça. Mais non, je blague! Bien sûr que je t'en ai laissé! Attends, je suis pas un gros crevard! Non, mais t'es con, sérieux! Bah non, t'inquiète! Bah ouais, quand même! Hein. Entre potes, on se respecte, non? Ah.
Voilà. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, donc du coup, très court, hein, ça fait une minute. Non, mais oui, c'est une minute trente, je crois, une minute quarante. Du coup, comment c'est fait rapidement? Ouais, j'ai encore un peu de temps. Donc, l'écriture, une idée centrale qui est la bagarre. En fait, j'ai vraiment juste voulu faire ce plan de coup de poing. Et après, je me suis dit, tiens, comment je peux construire un truc autour de ça? Donc, c'est extrêmement simple. Hein, voilà, une opposition sur voilà, un sujet, un paquet de gâteaux. Bon, voilà. Aussi, la contrainte du tournage. Donc, c'est, je tourne ça chez moi. Donc, c'est, voilà, il faut trouver une histoire dans un cadre avec un décor qui a un intérieur, appartement, machin. Voilà, donc très, très simple dans la structure, opposition, escalade, retournement de situation, donc au moment où en fait finalement il lui avait gardé un paquet de gâteaux. Et est-ce qu'il y a vraiment une résolution disons, alors, on peut dire que ça ne dit rien, qu'il n'y a pas vraiment de propos derrière. En fait, bon, il y a un petit peu un propos sur... disons la personne qui s'estime lésée se sent en droit de, voilà, d'aller taper l'autre et en fait elle n'était pas lésée du tout et donc voilà ça illustre le thème de l'escalade de la violence mais bon c'est pas non plus voilà, une grande ambition là-dessus deux personnages donc que j'ai appelés Dalleux et Crevard dans mon script Dalleux est celui qui arrive au début qui est d'abord présenté comme sympathique parce que lésé et c'est plutôt l'autre qui celui qui est assis sur sa chaise qui est assez détestable parce que il s'en fout en fait de pas lui avoir laissé de paquet de gâteaux et puis finalement ça s'inverse au moment de la résolution où maintenant en fait il lui a gardé un paquet de gâteaux donc voilà il y a un peu ce changement de perception des deux personnages en cours. Alors du coup pour l'écriture, donc moi je fais ça en LaTeX. Du coup il y a un paquet LaTeX qui s'appelle Screenplay qui est vachement bien qui permet du coup de faire des scénarios voilà. Il y en a d'autres, notamment un outil qui s'appelle Trelby, qui est un logiciel libre aussi, et qui utilise un format qui s'appelle Fontaine, qui est un espèce de standard pour écrire des scénarios. Mais moi, j'aime bien le LaTeX, donc je l'ai fait en LaTeX. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Tac, scénario. Voilà, donc du coup, le résultat, ça fait un PDF comme ça. Avec, bon, on va juste prendre le début, hein. Donc d'abord la description de voilà, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, des lignes de dialogue, donc des descriptions d'action, il quitte la tablette des yeux, il présente ça, et des intentions de jeu aussi, voilà, expire, agacer, machin, donc pour s'y retrouver en fait au moment du jeu. Voilà, donc ça c'est vraiment les intentions de jeu qu'on va rajouter au moment de l'écriture et qu'on va essayer de suivre après au tournage. Ça permet aussi d'éviter un peu les faux raccords, donc là tous les trucs de il regarde sa tablette, il lève la tête et tout machin, ça me permet d'avoir des indications parce que je tourne pas du tout mes plans dans l'ordre, hein, donc du coup de savoir ah oui à tel moment il est censé avoir les yeux là-dessus ou pas, et voilà. Voilà, donc la source de ça, donc c'est du LaTeX, hein, si vous connaissez un peu le LaTeX. Ça va vous parler, donc ça ressemble à ça. On a du coup des éléments begin dialogue avec intention de jeu et nom du personnage dans laquelle on va mettre les trucs, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, du coup à la fin, bon, je l'imprime, j'ai mes trucs en papier sur le tournage. Pour le préparer, bah, du coup, bon, c'est assez simple, hein, donc j'ai pas fait de storyboard par exemple, parce que bon, voilà, c'est quand même pas si compliqué que ça. Par contre, j'ai réfléchi aux valeurs de plan essentiellement que je vais mettre. Donc là, si vous avez regardé, il y a un plan moyen sur chaque personnage et un gros plan sur chaque personnage. J'ai quelques inserts aussi, donc notamment la main du personnage avec le sang. Voilà. Pour la mise en scène, du coup, donc comme je disais, c'est chez moi, donc bon, c'est juste l'appartement que j'ai un peu décoré avec des bricoles et des plantes. Moi, j'aime bien mettre des plantes, ça fait du volume et tout, donc c'est un peu joli. Enfin voilà, ça remplit un espace. Accessoires très simples, paquet de gâteaux, tablette, bon voilà, et tout ce que j'ai sous la main. L'effort a été surtout sur le sang en fait, donc pour faire voilà, le sang sur le personnage. Donc ça c'est une petite recette à base de sirop de fruits, de farine, d'eau, de sucre et un peu de cacao pour assombrir la couleur. Donc c'est vraiment la petite mixture et puis au moment où la couleur et la consistance me semble cohérente avec ce que j'avais envie, bah, je me dis ok c'est bon, je coupe le feu et je garde ça et après je me le tartine sur le visage, voilà.
Pour ce qui est de la production, ouais, donc du coup c'est une autoproduction unipersonnelle. Donc unipersonnelle, ça veut dire que je suis tout seul à le faire, hein, y a pas, personne m'a aidé à faire ça. Du coup ça représente pas mal de travail, hein, à nouveau, même si c'est un résultat quand même pas extraordinaire, ça représente quand même pas mal de travail. Du coup je l'ai vachement dilué, donc essentiellement j'ai commencé à le préparer donc les soirs après le travail. Le décor a duré quand même pas mal, enfin plusieurs jours, donc du 23 au 29 octobre, pour être sûr en fait que je puisse retourner des plans après derrière, voilà. J'ai aussi fait des essais pour le plan VFX, donc le coup de poing où il y a du coup deux fois moi là-dessus. Et j'ai pu faire un retournage le 29 octobre, donc après avoir fait un premier montage où je me suis dit ouais en fait il manque des plans et ça va pas trop, et du coup j'ai pu retourner quelques trucs. Mon matériel c'est un Canon EOS 80D, qui est essentiellement un appareil photo, mais qui peut tourner aussi en Full HD. Ça donne du format compressé, donc voilà, enfin, la qualité n'est pas extraordinaire, mais bon, enfin, on fait avec. J'ai essentiellement tourné avec un 50 mm, les deux plans moyen, gros plan, et après le plan large, j'ai dû le faire avec un zoom que j'ai mis vers, je sais plus, 20 mm, un truc comme ça, pour avoir mon plan large, notamment du coup de poing. Parce qu'en fait, j'ai pas le recul nécessaire, vu que j'ai des murs, hein, je peux pas reculer ma caméra à l'infini pour avoir un plan large avec un 50 mm. Du coup, bah, j'ai dû mettre dans un coin et utiliser une optique pas très grosse. Juste pour dire qu'il y a deux projets de logiciels libres qui existent vis-à-vis de la capture vidéo. Donc le premier, c'est Magic Lantern, qui est en fait un ajout au firmware des caméras Canon. Donc en fait c'est comme un supplément de logiciel qu'on va ajouter, qui est libre et qui va rajouter des fonctionnalités à l'interface des Canon. Malheureusement le 80D n'est pas pris en charge, c'est sur des modèles un peu plus haut de gamme, mais en tout cas ça existe. Du coup voilà, c'est pas un remplacement du logiciel qui tourne sur le Canon, c'est vraiment un logiciel qui va s'exécuter en plus comme un add-on quoi, et qui va rajouter des fonctionnalités. Par contre, il y a un projet qui s'appelle Axiom, d'un groupe qui s'appelle Apertus, qui consiste en fait à faire une caméra libre vraiment, donc c'est-à-dire à produire du matériel et à faire tous les logiciels embarqués sur la caméra avec des logiciels libres. Voilà. Donc bon, du coup, je n'ai pas utilisé ça parce que ça coûte un peu cher et ils n'en produisent pas tant que ça. Mais pour dire qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à libérer le matériel de capture lui-même. Niveau accessoires, du coup, j'ai rajouté un truc avec une télécommande et un Arduino, donc c'est cette plaque-là, donc ça c'est mon setup de caméra. Donc j'ai mon pied, un rail, un rig, voilà. Et du coup, je rajoute mon Arduino qui me permet en fait avec une télécommande de démarrer la capture et de faire la mise au point. Donc sur le 80D, en fait, il y a une entrée de jack ici, 2,5 mm avec 3 pins. Et en fait, sur les 3 pins, donc il y en a un, c'est la masse, et les deux autres, ça permet de déclencher la capture et de faire la mise au point. Donc ça, je l'ai connecté à des transistors que j'ai connecté à un Arduino avec une diode infrarouge ici. Du coup, j'utilise après une télécommande style de télé classique. Et le logiciel sur l'Arduino, en fait, quand j'appuie sur un bouton, il va démarrer la capture, et un autre bouton, il va faire la mise au point. Du coup, ça me permet, sur le côté unipersonnel, bah, de pouvoir faire mon cadre sans y être, m'asseoir, et ensuite, bah, avec ma télécommande, faire la mise au point bien sur le visage, et après démarrer la capture. Voilà. Ça c'est mon retour vidéo, donc c'est juste un écran HDMI que j'ai posé voilà, au sol pour le voir, donc ce qui me permet, bah, il ne faut pas regarder le retour quand on joue, mais disons que ça donne quand même une idée une fois qu'on est assis, d'être sûr qu'on a bien la mise au point, tout ça, tout ça. Voilà, donc juste un écran connecté en HDMI à la caméra, donc si on regarde, c'est ce connecteur-là, qui est un grand câble HDMI qui fait genre 10 mètres et qui va jusqu'à la caméra. Voilà, ça c'est pour la vidéo. Pour l'audio, du coup, j'ai utilisé une carte son externe qui est une Focusrite Scarlett Solo Gen 3. Donc là, vraiment, c'est juste une carte son un peu classique, mais qui a un port XLR, donc sur lequel je peux connecter un micro. J'ai un gros câble XLR qui va jusqu'à mon micro, donc il y a un micro quand même plutôt orienté audiovisuel, donc avec un hypercardioïde, tout ça, tout ça. Pour la capture, du coup, bah, j'utilise juste Audacity avec Alza sur mon ordinateur qui est 2 mètres plus loin, quoi. Et par contre, je ne peux pas me percher puisque je suis en train de jouer. Donc, j'utilise un pied avec une accroche qui tient ma perche et que j'ai mis devant. Voilà. Donc, ça, c'est la perche, voilà, sur son pied ici. Micro qui est là. Et ça, c'est mon enregistreur. Donc, à nouveau, que j'ai mis par terre en bordel. Voilà, avec le câble XLR qui est là, qui remonte du pied et qui va jusqu'à la perche. Et donc le jeu en fait est en dessous là,
juste là. Et du coup, la carte son est connectée en USB à mon ordinateur qui est donc là en fait, juste derrière. Et j'ai juste un Audacity que j'ai ouvert, j'enregistre et voilà. Pour la lumière, du coup, bon, moi j'aime bien faire la lumière, donc après, je n'ai pas forcément beaucoup de talent, mais voilà. Une softbox, donc pour avoir une lumière assez douce, enfin, j'en ai deux en fait, des softbox qui ont des ampoules à LED en E27. Donc le E27, c'est vraiment la baïonnette classique voilà, qu'on trouve. Non, c'est vissé le E27. Pardon? Oui, pardon, c'est pas une baïonnette, oui, c'est vissé, oui, oui, exact. Exact. Voilà, à 5500 Kelvin, donc assez froid, on va dire. Donc pour la lumière principale, pour la lumière arrière, j'ai utilisé vraiment des spots donc domestiques, c'est-à-dire des trucs du commerce, juste vraiment des lampes quelconques, en 2700 pour avoir une lumière chaude et en 4000 pour avoir une lumière froide. Voilà, et une lumière de remplissage, donc il y en a une qui est dans le cadre qu'on voit sur le plan large qui est au-dessus de l'étagère, et ensuite j'ai des barres de LED qui sont posées au sol, donc pour illustrer, ça c'est mes softbox, voilà, donc c'est les deux gros projecteurs. Ma barre de LED est là, en fait on la voit pas trop, mais elle est en dessous, elle éclaire du coup les plantes par derrière. Ça c'est quand c'est allumé, donc du coup les deux softbox sont là, et j'ai aussi une ampoule avec un pied à déport qui est derrière la chaise pour éclairer à la fois l'arrière et faire un éclairage en contre sur le dos du personnage assis. Ça, c'est du coup de l'autre point de vue. Donc ça, c'est les deux lumières en contre pour le personnage qui est là. Donc ça va en fait envoyer de la lumière dans son dos, ce qui fait un joli liseré, on va dire, sur les bras, tout ça, tout ça. Donc celle-là qui est dans le champ. Voilà, donc c'est ça, hein, mes deux spots classiques. Donc c'est voilà, monté sur un carton, hein, donc truc très, voilà, très, très à l'arrache. Mais ça marche relativement bien. L'électricité, pas grand chose à en dire, hein, juste voilà, c'est des multiprises et tout ça. C'est un peu le bordel, hein, du coup. Aussi mis une gueuse sur le pied de la perche, parce que la perche, ça a tendance à, comme c'est un gros déport, ça a tendance à faire tomber le pied. Donc, du coup, voilà, le sécuriser avec une gueuse pour éviter que si on tape dedans, ça chavire. Voilà, du coup, l'électricité, là, ça donne un peu l'idée. Donc, j'ai une multiprise que j'ai accrochée à ma caméra pour alimenter à la fois donc, le Canon et mon Arduino, qui a une alimentation par USB. Donc voilà, le truc est collé là. Et en fait, vraiment, si j'ai un conseil à donner en termes de machinerie et électricité, c'est vraiment accrocher, tout accrocher, quoi. Parce que les trucs qui se promènent, et dès qu'en fait on bouge le pied, si c'est pas accroché dessus, bah ça va tomber, c'est hyper chiant, quoi. Et du coup, vraiment juste voilà, accrocher, donc avec des accroches à scratch ou des trucs comme ça, ou de la ficelle ou n'importe quoi, mais juste que les trucs tiennent, quoi. Parce que sinon, c'est vraiment c'est insupportable. Et on voit que ça fait quand même pas mal de filasse entre voilà, le truc de l'audio, le truc de la caméra, machin. Enfin, on a vite fait d'être dans un joyeux bordel de câbles. Et du coup, c'est voilà, il faut essayer au maximum de faire en sorte que ce soit bien enfin, en ordre, quoi. Du coup, le tournage, bon, habillage, maquillage, coiffure, pas grand-chose à en dire. Hein. Du coup, maquillage, juste un peu de fond de teint, comme je disais, pour avoir un teint égal. Le sang, j'en ai déjà parlé. J'ai pas vraiment fait de répétition, hein. Je fais ça un peu à l'arrache. Voilà, bon, enfin, de toute façon, je suis pas un acteur, hein, donc c'est très, très amateur. Du coup, je me prends pas trop la tête avec le jeu, je suis plus sur le cadre et la lumière, on va dire. Voilà, du coup, je fais des claps de synchro parce que j'ai pas de truc de timestamp, donc voilà, super prise où je fais mon clap, donc c'est vraiment voilà, un clap classique de cinéma. Et du coup, sur la post-production, donc la première chose que je fais une fois que j'ai mes rushs, c'est un premier montage. Donc d'abord, enfin, je récupère mes rushs donc de ma carte SD qui est sur le Canon. Et le premier truc à faire, c'est nommer ses prises. C'est donc essentiellement, est-ce que c'est un plan large, un plan moyen, sur quel personnage, ou si c'est un insert, qu'est-ce qu'on a. Sinon, on ne s'y retrouve pas, hein, évidemment. Donc donner des noms aux fichiers, c'est important. Faire un premier montage pour valider qu'on a bien tous les plans qu'il faut et qu'on n'en a pas oublié un, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de tourner un truc et de défaire le décor et après de me dire « Ah, mais en fait, tel truc dans le scénario, bah, je l'ai complètement zappé » et du coup, bah, super. Donc, il faut se débrouiller après au montage, mais c'est quand même mieux de pouvoir d'abord valider avant de défaire le décor. Moi, j'ai ce luxe-là, donc je le prends. Et ensuite, sélectionner les prises. Donc, comme je disais, on va faire… bon, là, j'ai fait plus d'une dizaine de prises pour chaque plan. Et du coup, sélectionner bah, lequel on veut garder, lequel est bon, voilà.
Et mon montage, du coup, je le fais avec Blender, qui est un outil de montage qui s'appelle le Video Sequence Editor, que moi j'aime bien, qui n'est pas forcément le plus simple à appréhender ou à découvrir, parce que bon, c'est Blender, ça marche beaucoup au raccourci clavier, c'est pas forcément très intuitif. Et il n'y a pas forcément énormément d'effets disponibles après, a posteriori. Mais voilà, moi j'aime bien. Enfin, j'ai mes habitudes avec, on va dire. J'ai déjà utilisé K2 Enlive par le passé. Donc il y a un autre éditeur que je pourrais recommander qui est peut-être plus accessible et qui est basé sur une librairie qui s'appelle MLT ou Media Loving Toolkit, qui est aussi donc, un logiciel libre. Aussi OpenShot, voilà. Du coup, oui, ce que je fais sur mes prises, c'est du débruitage. Donc j'ai une commande FFmpeg, donc notamment avec deux filtres, Denoise et Unsharp. Donc Denoise, en fait, il va venir enlever le bruit de mes prises et Unsharp, il va venir donner du sharpness. Donc c'est de la... Enfin bref, ça va... Ça annule en fait l'effet du débruitage qui a tendance à adoucir l'image. Et du coup, sharpness, ça redonne un peu de piqué à l'image, voilà. Donc ça me permet du coup d'essentiellement diminuer la taille de mes rushs parce que du coup quand on encode de la vidéo, le bruit ça a tendance à prendre beaucoup de place. À partir du moment où on débruite, on a à la fois une image qui est plus jolie parce que ça fourmille pas et en même temps la taille diminue, voilà, donc c'est ça que j'utilise. Pour faire l'effet coup de poing fond vert, donc c'est avec Blender, le compositeur. Bon, j'ai pas vraiment trop le temps, ouais, donc du coup je vais passer un peu, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. Donc Blender, donc son outil de composition est vraiment très utilisable, je trouve. On peut faire vraiment pas mal de choses avec. Donc il y a un e-keying en particulier pour le fond vert, donc que j'ai utilisé du coup pour mes deux prises. Voilà, il y a aussi Natron qui est un équivalent de Nuke en logiciel libre qui existe aussi, alors qui est pas facile à installer parce qu'il a pas mal de dépendances, mais qui permet aussi de faire de la composition, donc réunir plusieurs plans, enlever du fond vert, faire des masques, ce genre de choses. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, pour mon audio, j'ai aussi une partie débruitage que je fais avec Audacity, qui à mon avis est un très bon plugin de réduction de bruit. Voilà, donc si vous cherchez à réduire du bruit sur une prise audio, je vous le conseille. Il se trouve que mon truc il enregistre en stéréo, donc en fait après je dois juste extraire un canal qui est le premier pour avoir des prises en mono. Et je vais aussi du coup découper des endroits pour que ça corresponde en fait à mes prises vidéo. Voilà, donc ça avec FFmpeg du coup et Audacity comme je disais pour la réduction de bruit. Après j'ai un truc en Python et en YAML pour donc c'est un script maison que j'ai fait pour lister mes prises et faire la correspondance entre mes prises audio et mes prises vidéo. Je passe un peu vite. La musique, donc aspect important, je fais ça avec Ardour, qui est un logiciel donc, de Digital Audio Workstation, donc qui permet de vraiment faire de l'audio avec pas mal de latitude. Donc on peut bien découper les prises, faire des fades et tout, enfin, c'est assez bien fait. Pour trouver les musiques, j'utilise des musiques libres, donc il y a tout, enfin ça c'est les listes de sites sur lesquels je vais voir en général, où c'est des gens qui mettent à disposition leur musique sous licence Creative Commons, donc il y en a vraiment plein en fait, et avec l'essor de, on va dire, YouTube et tout ça, ça a vraiment explosé, donc aujourd'hui c'est assez simple de trouver de la musique libre pour mettre sur ses créations, donc c'est chouette. Ensuite, les bruitages, donc les bruitages, bah, c'est juste moi qui vais enregistrer des sons pris à part, on va dire, que je vais débruiter. Des fois, donc par exemple pour mon effet coup de poing, je vais mélanger plusieurs prises. Donc, je vous montre rapidement. Je fais ça donc aussi avec Ardour. Voilà, il y a le coup de poing qui est là, et en fait c'est un mélange de 7 prises différentes. Et donc si j'en enlève, on voit que ça sonne pas tout à fait pareil. Voilà. Donc bon, du coup j'ai mélangé ça pour que ça ait un peu la texture du son que je voulais. Voilà. Donc Ardour, ça marche très bien. Autre étape donc, de l'audio, c'est le mixage. Donc le mixage, essentiellement, on veut donc normaliser les voix, qu'il n'y ait pas un personnage qui parle beaucoup plus fort que l'autre. Égaliser en fréquence, donc essentiellement, on va couper les très basses fréquences et on va un peu moduler pour que la voix ait à nouveau une texture qu'on trouve agréable à l'écoute. J'ai un peu loupé mes prises, hein, par contre, pour l'audio. Essentiellement, j'ai mis ma perche pas au bon endroit et surtout trop haut, en fait. Et donc dans la vidéo, on sent que ça fait...
un peu un effet réverbération, écho, enfin qui est un peu désagréable, comme si on était dans une grande pièce. Donc ça, bah, après, quand on loupe sa capture, bah, c'est comme ça. On fait avec. Du coup, donc à nouveau, pour le mixage, j'utilise Ardour. Le module X42 EQ, qui est un plugin en fait, qu'on va utiliser dans Ardour, mais qu'on peut utiliser dans d'autres logiciels aussi, qui est libre. Donc, qui est mon égaliseur, donc qui permet de, en fait, enfin, je peux vous montrer vite fait, qui permet du coup de moduler, voilà, quelle fréquence on veut amplifier, diminuer, voilà. Donc ça, c'est toujours pour mon coup de poing. Si j'enlève le Q, voilà, ça sonne pas pareil, quoi. Voilà. Très rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de temps du tout. Voilà, les crédits, je les fais avec Inkscape. Et après, je les importe dans Blender. Et finalement, je fais mon montage final dans Blender, du coup, avec donc mes rushs débruités, mes pistes d'effet. Je fais l'étalonnage, je peux animer le volume, et à la fin, je sors tout dans FFmpeg. Blender, c'est pas mal parce qu'on peut le faire du rendu en ligne de commande. Voilà, donc je vous donne la petite commande -b, le fichier .blend, -o, montage, -a. Et donc, du coup, en fait, moi, je travaille pas mal avec des makefiles. Donc, du coup, je peux faire make, et à la fin, ça fait ma vidéo. Et avec notamment donc, des dépendances, par exemple, sur ma prise d'effet spécial, qui est aussi un Blender, avec aussi un makefile et tout ça, donc je peux un peu chaîner ma pipeline comme ça, et ça marche plutôt pas mal. Voilà, du coup, conclusion, bah, à mon avis, on peut faire quand même pas mal de choses avec ces outils, donc je recommande essentiellement, comme je disais, Blender, Ardour, Audacity, rien qu'avec ces trois-là, déjà, on peut vraiment faire pas mal de choses. Moi, j'aime bien quand on peut scripter, donc comme je disais, avec Blender. Blender, on peut aussi importer du Python dedans, donc ça peut être assez utile pour automatiser un certain nombre de choses. Voilà, par contre, c'est pas très intégré, donc il faut savoir jongler entre différents outils. Typiquement, le son, je vais exporter et réimporter, donc exporter de Blender et réimporter dans Ardour, puis réimporter dans Blender. Voilà. Et une fois qu'on a sa vidéo, c'est pas mal de la diffuser. Donc il y a Peertube, il y a un stand Framasoft, si vous voulez voir. L'association Orsiné, qui a aussi un stand au Capitole du Libre, ça vous intéresse, qui vise à la diffusion de films libres. Et un autre projet qui s'appelle Démonopolisons la vidéo, qui permet aux créateurs de présenter leur vidéo. Voilà. Je m'arrête là, parce que de toute façon, j'ai fini. Merci, désolé, j'ai un peu dépassé. Et du coup, si vous avez des questions, on peut les faire dans le couloir. Si vous voulez.